Audio Jungle. Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on va faire une petite intervention sur un nid de frelons asiatiques. Alors, il est placé, mais vraiment un endroit particulier quand même. Pour vous dire qu'il s'installe partout. Donc, je vais vous montrer ça. Après, je vais m'habiller, on va traiter ça. Et voilà, donc comme d'habitude. Alors, je vous montre ça. Et vous êtes prêts? Voyez le camion? Il est là-dedans. Pour rentrer par l'extérieur. Et il y a un nid de frelons dedans. Donc il y a eu des piqûres, hein, normal. Hein. Les gens qui sont allés poser un carton dedans, ils se sont fait piquer. Allez, je m'habille, je vous dis à de suite. Allez, c'est parti pour le combat. Allez, on y va. Allez, on va au camion. On va regarder ça. Bon, ouais, un petit figuier à côté. Une habitation ici. Une autre habitation un peu plus loin là-bas. Une habitation ici. Et à côté, il y a un peu la fête, on dirait. Alors, regardez où il est, le nid. Les gens viennent ranger des choses. Voilà, il s'est placé juste là. Donc la moindre vibration au niveau du véhicule, ben, vous avez les frelons qui s'énervent automatiquement. Bon, ben là on va les traiter. Comme d'habitude. Ça commence un peu. Je pense qu'ils m'ont repéré, ça y est. Donc voilà, le frelon asiatique, il est partout. Dans un camion, franchement, il déconne quand même, il déconne. Regardez-moi ça. Allez. On va essayer de trouver ça. Regardez-moi comment ça. Des attaques et des attaques. Il y en a un là qui veut être sur la caméra, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez quand même. Vous ne trouvez pas ça abusé hein, dans un camion? Dites-moi le dans les commentaires si vous trouvez ça abusé. Et aussi, n'oubliez pas de regarder le petit sondage tout en haut. Allez. Voilà, encore un nid de frelons dangereux, encore un frelon que Dédé a traité. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser un petit commentaire et je vous dis à très bientôt les Dédés.